Henri et Catherine Salvador, cette histoire qui a failli ne jamais naître. Henri Salvador est une légende de la chanson française. Il a marqué nos cœurs avec son rire contagieux et ses chansons intemporelles. Mais derrière ce grand artiste se cache une vie amoureuse tumultueuse, ponctuée de plusieurs histoires d'amour. Sa dernière romance avec Catherine Salvador, qu'il a épousée en 2001, a été particulièrement marquante. Le 13 février 2008, la disparition d'Henri Salvador a plongé ses fans dans une profonde tristesse. Avant Catherine, Henri avait connu plusieurs mariages, d'abord avec Lily Susini, puis avec Jacqueline Garabédian, et enfin avec Sabine de Ricou. Mais c'est avec Catherine, bien plus jeune que lui, qu'il a trouvé l'amour et la complicité. Lors d'une interview chez France Dimanche, la veuve du chanteur a fait de grosses révélations, notamment sur les raisons qui l'avaient initialement poussée à refuser d'être en couple avec lui. Elle confie « Travaillant dans ce milieu, je connaissais bien les artistes et m'étais donc juré que jamais. Ils avaient des vies pas du tout en adéquation avec l'existence pépère et stable à laquelle j'aspirais. » Pour elle, la différence d'âge était également un frein. Et puis la différence d'âge. D'ailleurs, lorsqu'il m'a invitée à déjeuner la toute première fois, j'ai vraiment cru à une blague. Je me disais « Pourquoi moi ?» Néanmoins, il m'a fallu 5 minutes pour comprendre qu'en fait, c'était un grand gamin. De plus, ce n'était pas vraiment mon type d'homme, moi qui étais plutôt attirée par les grands blonds sportifs. Henri, de son côté, n'a pas abandonné Catherine, avoue qu'il a ramé pendant 2 ans pour la convaincre. Elle se souvient des mots taquins de son époux. Il me disait souvent « Je t'en veux de nous avoir volé 2 ans d'amour. » Leur histoire, bien que passionnée, a dû être gardée secrète pendant longtemps. Malgré le décès d'Henri Salvador, Catherine Salvador ne l'oublie pas. Elle incarne la persévérance dans le maintien du souvenir de son regretté mari. 5 années se sont écoulées depuis la disparition d'Henri Salvador, mais son empreinte reste indélébile grâce aux efforts inlassables de Catherine. Elle offre au monde un précieux trésor, La joie de vivre, un livre qui célèbre la vie et l'œuvre d'Henri. Dans ses pages, les lecteurs découvrent des pensées profondes, des anecdotes captivantes et des répliques mémorables qui illustrent la personnalité unique de l'artiste. Mais Catherine ne se contente pas de partager les souvenirs à travers les mots, elle supervise également la création d'un documentaire exceptionnel. Henri Salvador, une vie d'artiste, un hommage poignant à celui qu'elle aimait tant. Ce film offre un regard intime sur les coulisses de la vie et de la carrière d'Henri, enrichi par des témoignages émouvants et des images d'archives inédites. Mais au-delà de ses réalisations, c'est l'amour infini de Catherine pour Henri qui transparaît.